Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Métropole du Kasaï mardi 14 mars 2023. Le premier temps a été marqué par deux mots. D'abord, celui du directeur provincial de la DGRAD, ex-Kasaï Oriental, qui a précisé que la signature du protocole d'accord constitue le prolongement de celui signé à Kinshasa d'une part entre le ministère des Finances et la direction générale de la DGRAD et d'autre part entre la direction générale DGRAD et les secrétariats généraux. Monsieur Edmond Sadiki Mungwande a invité les services d'assiette à la collaboration car les recettes assignées au Kasaï Oriental le sont autant pour la DGRAD que les services eux-mêmes. Il nous est donc assigné ce montant aussi bien à la DGRAD et au service d'assiette que vous êtes. Cela nous pousse, nous exhorte, je vous exhorte à multiplier des efforts pour qu'on puisse y arriver ensemble. J'insiste sur le mot ensemble. Nous sommes obligés à une collaboration responsable. Ça veut dire autrement que nous sommes, même si nous avons des rôles différents, sachez que nous sommes embarqués dans un même bateau, que si ces bateaux coulent, nous coulons tous. Prenant ensuite la parole, le chef de division recouvrement et suivi des régimes d'exception a donné des précisions détaillées sur les recettes assignées à la DGRAD. Monsieur Jean-Guilain Moussassa a fait savoir que la hausse des assignations est consécutive à la performance de la DGRAD avec le concours des services d'assiette pour l'exercice 2022. Il est demandé de réaliser 8 283 396 713 et la DGRAD Kasaï. Ex-Kasaï Oriental a eu mobilisé 10 210 830 624, ce qui faisait de nous ou de la DGRAD Kasaï Oriental performance et les taux de réalisation s'élevaient à 123%, pour lesquels j'aimerais vous demander d'applaudir quand même pour ces efforts-là. Le moment le plus fort a été la signature de protocole d'accord entre le directeur provincial de la DGRAD, ex-Kasaï Oriental, et les responsables des divisions et ressorts de cette régie financière sur le plan interne. Enfin, le directeur provincial a fait le même exercice avec les chefs des divisions provinciales de l'administration publique et autres directions constituant les services d'assiette. À l'issue de cette cérémonie, le directeur provincial de la DGRAD Kasaï Oriental s'est réjoui du déroulement et de la présence de différents responsables. Monsieur Edmond Sadiki a réitéré sa disponibilité à recevoir tout partenaire pour une collaboration franche en vue d'atteindre l'objectif commun, à savoir la maximisation des recettes. Pour les services d'assiette, ils doivent s'appliquer en tant que nous sommes liés. Nous sommes bien obligés de travailler avec les services d'assiette. Ils sont des poseurs d'actes. Tout ce qu'on leur demande, c'est leur engagement. Nous avons les mêmes obligations. Nous sommes tous tenus à l'obligation de résultat. Obligation de résultat. Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï, Kasaï Central, Lomami et Sanko. Kasaï TV, KDTV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.